came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle, I think we've seen it all, just make the call. I'll go running over. We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call. And I'll be all. Bon, mais ça y est, après 2 mois et demi de travail, 7 jours sur 7, le bateau est finalement prêt pour la mise à l'eau. La mise à l'eau est prévue dans quelques minutes. Je pense qu'on est pas mal dans le temps que j'avais dit au début. Je me disais 2 mois de travail avant la mise à l'eau. Ça a donné à peu près 2 mois et 2 semaines. Je suis très fier. Je suis nerveux, excité, tous les sentiments en même temps parce que j'ai fait beaucoup de travail sur le bateau, beaucoup de travail sur sous la ligne d'eau aussi. Pour savoir si toutes les passe-coques et les balvaves, s'il n'y aura pas de fuite, si le safran, si on va loin un petit peu plus tôt, si tout tient le coup. C'est plein de choses que je vais découvrir dans vraiment pas long. J'ai très hâte de passer surtout une nuit à l'eau. Ça va faire du bien, se faire percer par l'eau. Je suis en train de prendre racine ici, sur le dur, c'est ici. Je pense que tout le monde commence à me connaître, là. Le monde qui travaille au Civic Center, les travailleurs de la ville, c'est Chazy Hardware Store. Je commence à faire partie du monde local ici, parce que le monde m'envoie la main, me reconnaissent. C'est un départ de cet endroit-là pour aller en trouver un autre un petit peu plus bas sur l'eau. Je planifie le départ le plus vite possible. Il reste quelque chose à vérifier, c'est sûr, une fois dans l'eau, que le moteur fonctionne, que l'autopilote fonctionne bien, que j'ai les panneaux solaires installés. Ce ne sera pas installé final, ça ne me dérange pas, ça va être installé le plus vite possible pour pouvoir partir le plus vite possible. Je suis rendu, début, on est le 7 septembre, j'aimerais ça partir maximum une semaine pour pouvoir les rejoindre aussi, mes amis du Voyage Gratitude et l'Alter Ego. Ce serait vraiment ça aussi, descendre en même temps avec eux, mais ça se peut, c'est sûr qu'on va tant se recroiser en chemin, tout dépendamment de la météo qu'il va faire aussi, puis si j'ai pas de problème sur le bateau. Le moteur, j'avais un bouchon de Prestone qui coulait, je l'ai enlevé, c'était le seal en dessous qui est carrément fendu, j'en ai fabriqué un. Je ne vais pas le savoir vraiment s'il coule avant que le moteur ait réchauffé et ait bâti une pression. Je suis confiant, mais ça va être en attendant que je peux m'aller m'acheter un vrai bouchon. Je pense que ça va toffer la run. Puis le restant, ça devrait bien aller. Les chats aussi, ça va être une autre expérience. Ils vont se faire bercer dans l'eau, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont aimer l'arrêt du travaux de lift et non plus le démarrage du moteur diesel. Ça, c'est ça qui leur dérange le plus dans le bateau, dans notre expérience. Il va falloir qu'il s'adapte. J'attends le travel lift, il devait arriver dans pas long. Ça va être une grosse étape pour nous de la remise à l'eau là-dessus après 2 ans sortis de l'eau. Après 2 ans que des projets avaient déjà été commencés, que j'ai complété les projets qui avaient été commencés il y a 2 ans et j'ai complété aussi des nouveaux projets pour la préparation de notre vie à bord. Parce que c'est notre maison à cette heure, c'est tous nos effets personnels sont présentement dans le bateau. C'est carrément une nouvelle vie qui s'annonce pour nous. Puis j'ai hâte de partager ça avec vous. Yeah.
ça s'en vient, les amis. Ça va faire tellement du bien de puis être dans le fond de la cour, de finalement être sur l'eau où le bateau devrait être. Ça va être magique. Ce soir, ça veut dire que les projets avancent, ça se concrétise. Le bateau est à l'eau. L'importance de pouvoir rentrer en dedans et d'aller voir si tous les passe-corps que j'ai changés, s'il n'y a pas une fuite d'eau. L'entrée d'eau moteur aussi, c'est important à faire retour. Le capteur de vitesse en haut, puisque moi je l'enlève le capteur durant l'hiver, puis je l'ai remis, fait que je suis allé voir pour être sûr que ça coule pas. On m'a descendu tranquillement sur les slings pour permettre d'aller voir à l'intérieur pour être sûr que ça coulait pas. Ça coulait pas, ça fait peut-être 5-10 minutes là, présentement que je suis à l'eau. Fait que je vais retourner voir mes fittings. Je veux juste être sûr que j'ai pas de surprise. À date, ça paraît super bien. La prochaine étape, ça va être de partir le moteur. Ça fait 2 ans qu'il n'est pas parti. Je ne l'ai pas parti sur la sortie de l'eau. Ça me tentait pas de délai avec ça. Puis j'ai skippé le temps. J'ai dit, oui, je suis OK ici. C'est comme un peu le quai de service. Le propriétaire, ça ne dérange pas. Je peux rester ici 2-3 jours en attendant que je m'arrange pour que le moteur parte. Mais ça, je pense pas que ça va être compliqué. Ça va être la prochaine étape après avoir vérifié si on n'a pas de fuite d'eau. Pas de goutte, c'est très bon signe. Prêt à partir. Les passe-coques sur le lavabo, check. Il reste côté moteur. J'ai pas changé les passe-coques, mais j'ai changé les ball valves. C'est important de bien vérifier ça aussi. J'ai une pratique que le monde, j'entends pas parler beaucoup, mais que c'est une pratique qu'on doit faire. C'est que le dripless seal, ça veut dire que le seal du shaft, une fois que le bateau est mis à l'eau, il y a de l'air qui respire parce que l'eau monte dans le shaft, mais il n'y a pas de manière de purger l'air qu'il y a dedans. Fait que quand le seal va, si je vais partir le moteur, puis je m'en vais, le shaft tourne, mais là, le shaft, il tourne juste sur de l'air. Fait que ça peut surchauffer ou endommager prématurément le seal. C'est comme partir un peu un moteur à froid, qui n'a pas de lubrification. Fait que c'est important de pogner le seal, de le squeezer, de purger. Fait que tu squeezes un peu, tu t'entends l'air sortir, puis à un moment donné, quand l'eau sort, tu arrêtes. Puis ça, c'est le passé de purger le seal. Fait que je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui le fait, mais c'est une bonne chose à voir. Fait qu'en ayant vérifié les passe-coques qui sont là, que les valves, je vais faire ça même. Je vérifie les balles valves ici que j'ai remplacées. Fonctionne bien. Un problème. Il n'y a pas de gouttelette d'eau. Aucune fuite d'eau. Puis ça, c'est le shaft, le seal ici. Le Volvo Dripless Seal qu'il appelle. Ce que je fais, je le purge, je le squeeze. Aussitôt qu'il y a de l'eau qui sort un peu dessus, je suis correct. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'air qui rentre dans le shaft. Fait que on l'éponge un peu et c'est terminé. Tout ce qu'il me reste à faire présentement, c'est de partir le moteur. Le moteur, ce que j'ai fait, j'ai des décompresseurs. J'ai mis les décompresseurs pour faire tourner le moteur pour pas qu'il parte, pour faire monter un peu l'huile. C'est important de ne pas le faire craquer trop longtemps parce que là, on va remplir le système d'échappement d'eau. Parce que les autres, ils pompent l'eau du lac pour refroidir le moteur. Puis après, ils le renvoient dans le système d'échappement. Si le moteur ne part pas, ben, il n'y a pas de pression dans le système d'échappement, fait qu'il peut pas sortir l'eau au bout du l'échappement. Fait que là, ce qui s'est fait, vous allez remplir votre moteur d'eau. Fait que c'est pas une bonne pratique de le démarrer trop longtemps. Ou, si vous voulez démarrer plus longtemps, ben, vous fermez la valve d'entrée d'eau du moteur. Ce que j'ai pas fait, parce que moi, il était vide, fait que je voulais faire venir l'eau en même temps et craquer juste un peu le moteur pour monter l'lubrification. Je vais aller fermer les décompresseurs, puis je vais aller essayer de partir le moteur. Et le petit son strident. On lui donne un peu de crato. Et c'est parti! Pasteur, on va aller voir s'il y a de l'eau qui sort au bout de l'échappement. On va me donner un indice si la pompe fonctionne. Je l'entends déjà barboter. Fait que d'après moi, on est correct.